Eh bien c'est tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 7 de notre incroyable aventure horrifique sur Dead Space. C'est parti encore une fois, désolé pour ce petit moment d'absence, je me suis fait opérer la semaine dernière et j'étais dans l'indisponibilité de pouvoir record, je pense que vous le comprendrez évidemment. Installez-vous confortablement, on est parti, nous allons tous ensemble vivre un sacré moment, je pense, d'horreur. Souvenez-vous, il y avait une bête par ici, là, voilà. Néanmoins, hop, ça, sur un malon. Wow. Qu'est-ce que c'est? Dans ta gueule. Ok. Alors, attendez, parce que là, je suis moyen serein quand même. On fait les fous. Niveau munitions, finalement, c'est quand même un petit peu la crise, hein, on va pas se mentir. On va passer par là. Oh, c'est chiant. Est-ce que je me suis chié dessus? Mesure de confinement activée. Ça va? Ok. Au moins l'isolation et les systèmes de survie tiennent bon. Jusqu'ici. Ok. On va save. Ça fait une minute, les gars, mais je suis déjà pas serein. Je me suis chié dessus de fou. C'était quoi ces délires? Eh les gars, ça faut prévenir, hein. Ok, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a là? En vrai, j'ai même pas... Vous savez quoi? J'ai même pas pris le temps de fouiller. Juste au-dessus. Ok, un ascenseur endommagé. Ah, on a une petite caisse quand même. C'est pas mal s'il y a des petites mines. Voilà, 3. C'est mieux que rien, je te le dis. Comme on dit, 3, c'est mieux que 2. Ça, des crédits, c'est mieux que rien, je te le dis. Comme on dit, 100, c'est mieux que 99. Ok, là, il y a une sorte de chaise. Là, c'est de niveau 3. Ok, on dirait un hub bien garni. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, 6. Comme on dit, les gars, 6, c'est mieux que 5. Habilitation de sécurité. Ok, ça je ne peux pas. Malheureusement pas disponible, j'ai pas l'habilitation nécessaire. J'ai pas l'habilitation pour mettre une clé dans un cadenas. Et voilà, 3 les gars, comme on dit, 3 c'est mieux que 2, vous l'aurez compris évidemment. Je vous laisse compléter le reste de la vidéo. C'est parti, on se casse. On se casse comme Patricia casse. Ok. Patience. Très bien. Bien. C'est moi. Calme top. Désolé. Putain, vous m'avez fait peur. Non. Gardez ce fusil à portée. Qu'est-ce que c'est? Celui qui m'a attaqué. J'ai réussi à le piéger là-dedans. Ok. Son visage. J'hallucine ou quoi? C'est Chen. Vous pouvez plus rien pour lui, Amon. Vous avez raison. Je devrais... Et puis merde. Sauvetage 47 lancé. J'ai bossé des années avec lui. Et Johnston aussi. On le libère dans la nature, le man. Il s'est pas transformé en monstre. Il va atterrir sur une planète d'êtres humains, Miskin. On va arranger ça, Amon. Pour eux. Ouais. Allez, les canons de la def. Allez, pour la France. Ok. Je peux tenir cette position un moment. Sauf si d'autres astéroïdes nous tombent dessus. D'accord. Oh, il y a un petit journal là, attends. Eh, Bichette, il y a des choses à lire là. Allez, mettez pause. Tout ce que je peux dire, c'est que l'alimentation de la DEF a flambé. Les systèmes administrateurs ne font pas grand-chose. Nous pourrions rediriger le courant qui leur est dédié. Faudrait que je rebranche le panneau électrique, mais ça relancerait les canons de la DEF. Bien. Ok. Isaac, concernant ce qu'a dit Daniels, je sais rien sur des extractions illégales ni sur le monolithe. Je le jure, je suis là que pour la mission de réparation. Écoutez, je vous connais pas assez bien, Daniels et vous, pour en juger. Mais la CEC était forcément au courant pour le monolithe. L'entreprise, peut-être. Mais ce genre de merdier va au-delà de mes autorisations. On en discutera plus tard. Il faut trouver un moyen de descendre jusqu'à ces panneaux électriques. Vous pourrez rétablir les ascenseurs vers l'atrium depuis la sécurité. Vous aurez accès à tout. J'ai trouvé une carte de cadre de la CEC. Je vais augmenter vos autorisations.
Et vous avez déjà augmenté les vôtres? Ouais, juste au cas où. Là, ça me plaît, là. Et Isaac? J'ai entendu un truc, là. Un gros truc. Faites attention à vous. Ah! Ah, c'est pas ouf, hein. Ah, ça c'est pas ouf, ça, hein. J'aurais pas le courage de retourner au tout début du jeu, par contre, pour déverrouiller les casiers de niveau 2, je vous le dis, les potes, hein. On attendra au pire d'avoir les casiers de niveau 3. Ok, bon. Bah, s'il a entendu un gros truc, on va les checker. Même si tu te doutes que ça ne sent point, bon. Ok, on va les save. On n'est jamais à l'abri ici. On n'est jamais trop à l'abri ici. Ok. Bon, c'est une bonne chose de faite. Allez, 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 allez. Bonsoir, bonsoir. Ok, on peut aller là-haut. Est-ce que par hasard c'est du niveau 2 ça? Est-ce qu'on est en train d'assister ici là? C'est du niveau 2, c'est du niveau 2, oui. Bien joué à moi, j'ai été le meilleur. Wesh! Pas. Ok. Je suis mort. C'est une blague? Ok. Brûle en enfer! C'est une blague, quoi, frère? Vas-y, c'est trop, c'est trop! Quarantaine levée. Un point! Un point, fils de pute! Eh, vas-y, les gars, je vais save ailleurs, mais là, je pense que je suis cuit, hein. Ok. Ok, je vois pas dans quel fucking monde. Je vois pas dans quel fucking monde. GG à lui, hein, vraiment. J'ai plus de vie. J'ai plus rien. J'ai plus de mun. On m'a reset totalement mon inventaire. Let's go, les gars. On va s'amuser. Alors. Habilitation confirmée. Ouais, 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 habilitation confirmée, ouais, mes couilles. Après un boss, les gars, on peut peut-être me laisser un peu tranquille. Ça a été enregistré, docteur. C'est une mutinerie. Le monolithe doit revenir à notre église, quoi qu'il en coûte. Bon sang, Ben, s'il te plaît, écoute-toi. L'Ishimura est en crise, tu nous as isolés. En vertu de l'article 5469, je sous-signais le docteur Terence Kine. Déclare le capitaine Benjamin Matthews inapte au service. Espèce d'hérétique! Arrêtez-le! Ben, t'es pas toi-même. Laisse-moi t'aider. Bande de traîtres, lâchez-moi! C'est mon vaisseau! Oh, oh mon Dieu, il est... Vous l'avez vu, j'ai essayé de l'aider. Vous avez tué le capitaine. On doit vous arrêter. Ne fais pas ça. Si les autres membres de l'église m'attrapent, ils... Stop!
Ok, bon. Délire de secte. J'aime pas trop ça. Allez, c'est parti. Y a un monde où on me régale ou c'est tendu du cul. Plan d'amélioration étendu, le cutter plasma, une nouvelle capacité spéciale est désormais disponible. Bien. Plan d'amélioration, nanana, un point est désormais disponible. Ok, allez, on va checker le cutter plasma. Ah ouais, la spéciale, elle est loin sa mère, hein. Elle est loin sa mère, hein, l'aspect, hein. 1, 2, 3, 4. Applique des dégâts sur la durée à chaque tir. C'est pas mal, ça. C'est pas mal, mais ça fait... Ouais, mais je suis obligé de prendre ça. Je suis obligé de prendre un peu plus de PV, les gars, parce que là, c'est compliqué, là. Et l'arme d'assaut, c'est quoi? Attendez. L'aspect, c'est quoi? Augmente considérablement la cadence de tir. Ouais, mais les gars, oh là là. En vrai de vrai, je préfère ça, les gars. Allez, capacité de cœur plasma. Qu'est-ce qu'on a là? Cadence de tir, allez, vas-y. Et là, qu'est-ce qu'on a là? Le temps de reload. Sachant que j'ai déjà un point en temps de recharge. Allez, go. Comme ça, niveau cadence de tir, on peut pour l'instant évidemment, pas faire mieux. Très bien. De toute façon, j'ai même pas de munitions de gueule en plasma. Il me faudrait un petit store, je vous avoue que ça ferait clairement pas de mal. Très bien. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ascenseur de l'atrium activé. Ah, ok. Ok, c'est celui-ci. Rediriger les courants. Ok, 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 ok. On y va. Ah, allez, étage 2. Étage 2, on va être tranquille si tout va bien. Elle est sympa l'ambiance dans le... Tu vois, ça manque d'une petite musique, mais en vrai, c'est ok, tiens. Ah. Un petit storm, les gars. Alors, bougez pas. On était là, non? Go. Go, 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 go. Ça, ça me paraît pas mal. Let's go. Ok. Attendez. J'ai récupéré toute ma vie. Quelle est cette sombrerie? Ok, ça m'arrange. Wow! C'est moi avec... Wow! Ok. C'était moi avec le corps ou c'est comment? Ok, vas-y, je prends tout, rien à péter. Ah ouais, d'accord, donc à chaque fois qu'on va ouvrir la porte, putain, je me suis chié dessus. Merde, c'est une caisse out. Ok. Écoutez, on va tracer. Pourquoi il y a une micro-zone de vide? Isaac, je relève un risque d'électrocution sur le sol devant toi. Un blindage vieux de 60 ans. Ça ne supporte pas bien les surtensions. Regarde où tu mets les pieds. Oh, encore une arme. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Choc laser. Coupe astéroïde. Eh, vas-y, je vais le remplacer par le lance-flamme. Je trouve que c'est flingué, les gars, le lance-flamme. Tir principal, ok. Et coupe astéroïde. Charge et libère un puissant tir laser. Ça me plaît. J'aime les lasers. Ok, petit kit de soins, ça me plaît. Oh la vache, cette caisse est beaucoup plus solide que ce que je pensais. Ok. Let's go! On a tellement de choses à améliorer. Ça risque d'être compliqué, cette histoire. Bon. On repart. Néanmoins, attendez. Le doute m'habite. Voilà, je préfère. Ok.
Ok. On revient tranquille dans le game. Oh oh. Ah, la boucherie charcuterie, rien à péter. Hein. Toujours pas mort, c'est embêtant. Putain, il m'a baisé toute ma vie, ce bâtard. J'ai le seum. J'ai voulu économiser, j'ai le seum. Qu'est-ce que je suis con. Ok. Très bien. Alors attendez. Habilitation confirmée. Ok, pas mal. Ça me plaît. Très bien. Très bien. Très bien. Parfait. Ah ok. Bon. Wow. Ok. J'aime bien ça. J'aime bien ça, mon pote. Voilà, superbe. Ok. Habilitation confirmée. Très bien ça. Ok. J'ai utilisé un soin, je suis un connard. C'est pas grave. Je vous laisse lire, évidemment, comme d'habitude. Mettez pause. Ok. J'aime bien ça. Il y a des points. Oh putain, je me suis chié dessus. Ok. Bon écoutez, on va utiliser ça. Hein. On va utiliser le lance-disque au calme. On va voir où cela mène. Vous croyez que je peux électrocuter les man? Il y a beaucoup de trucs. Il y a beaucoup de trucs qui régalent et ça c'est inquiétant. Ok. Superbe. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça sert à quoi ça? Il y a un putain... Oh putain, attendez, il y a un établi. Il y a un établi, ça peut être très intéressant pour vous savez quoi. Le cœur de plasma, évidemment. Hop, P1. Et c'est quoi ce P2? La capacité en munitions. Applique des dégâts. Oh. Ok. On verra pour le reste. En vrai, faut quand même améliorer... faut quand même tranquillement améliorer le reste, sinon on s'en sortira pas. Écoutez, le découpeur peut-être, ça me paraît pas mal. Qui veut découper ici? Moi, je veux découper, let's go. Le découpeur, il me paraît assez fou. Putain, il y a la tenue, il y a trop de trucs, j'ai besoin de bien plus de points. Ok. On va poser ça là. Du cred. Ok. Bien. Ça s'arrêtera jamais, hein, c'est terrible. Oh la vache. Ok, superbe.
je suis moyen serein en vrai, hein. Ah d'accord, ok, j'ai compris. Ok, j'ai compris, on va tout fouiller vite fait. Bon, très bien. Bah let's go, hein. J'ai du nouveau. Courant dérivé depuis le réseau des quartiers de forage. Et de 1. Il faut plus de puissance, mais deux systèmes devraient faire l'affaire. Mon gars, je vais là-dedans. Oh oh, j'ai peut-être fait un truc qui va broken le game, non, je sais pas. Une bêtise ou... Ok. Il y a peut-être un monde où j'ai fait une petite bêtise, hein. Ok. Et bon, on continue. Entrez dans cette zone de vide. Ok, ok, ok. Ça va, les zones de vide, j'aime bien parce que c'est rare qu'un bruit me fasse peur, étant donné que dans l'espace, il n'y a pas de bruit. Ok, superbe. On va save. Allez, on va save, on est très bien. Superbe, bon. Let's go, continuons. Ok. Troisième étage maintenant, on va faire étage par étage, hein, logique. Attends, c'est où que ça va s'ouvrir, les gars? Quoi? Frère? Qui crie comme ça? Bref! Personne crie comme ça, c'est bizarre! C'est bizarre! Vous avez déjà dit que c'était bizarre! Évidemment, vous doutez bien qu'on va aller partout, sauf là où ils veulent que j'aille dès le début. Histoire de crier contre... Oh, bah dis donc. Alors, on m'a pas dit que Dark Funeral était dans le vaisseau? C'est sûrement le monolithe qu'ils ont trouvé. Ils sont identiques. Ce monolithe, c'est le symbole de l'église du mythologie. Je savais pas que t'étais croyant, Isaac. Ma mère l'était. Mais s'ils ont trouvé ça sur une planète extraterrestre... Qu'est-ce que ça veut dire? Que l'unitologie manigance quelque chose? L'unitologie, c'est de la merde. De A à Z. Ok. Ah, encore une histoire de secte! Allez, je vous laisse mettre pause, évidemment. Ah oui, en plus, c'est long à lire. Hein. Heureusement qu'on lit pas tout. Bon, c'est évidemment du lore, hein, ça permet d'en savoir un petit peu plus. Mais là, pour le coup, c'est un livre en 90 pages. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ok. Ils veulent que j'aille à gauche? Eh ben, j'irai tout droit. Ah. Et là, qu'est-ce qu'on a? C'est verrouillé! On va laisser ça tranquillement ici. De manière à ce que si je vienne de cette porte... Quoique, attendez. Les petits
couloir comme ça. Ça m'excite, hein, je vais pas vous mytho. Ok. Ouais, ok. Ok, pourquoi pas. Et comment je suis censé passer? Comment comment je suis censé passer? Répondez-moi! Ah, j'ai peut-être... Attendez, j'ai peut-être pas checké convenablement quelque chose. Allez. On vient par là, toi? Ah d'accord, ok. C'est quand il n'y a pas l'éclair, MDR. Oh la vache! Oh la découpe! Oh la découpe! Chier lui hein. Bougez pas. On va essayer de passer là-haut. Hein. Ok. Très bien. Très très bien. Oh, allez. Mais quel connard, j'en ai marre. Ok. Vas-y, j'utilise tout, bas les couilles. Wow. Frère, t'es un forceur. Oh là là, t'es un forceur, j'ai juré. Ça c'est beaucoup trop balèze hein. Eh ça je reconnais cette vermine hein. Cette vermine c'est beaucoup trop balèze hein. Ok. On va s'arrêter sur ce décès. Ce triste décès. Et on se retrouve très très vite évidemment pour la suite de notre aventure. Bisous tout le monde. Bye bye.